Yon l'autre semaine information sur télévision nationale d'Haïti. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans premier sorti journal là. Est-ce qu'il y a une possibilité d'activité l'appli pour Jodia qui j'en condition temps à pied? C'est tout de suite avec prévisionniste nous Wilner Polidor. Bonsoir Wilner. Merci parce qu'on branche télévision nationale dans le sens c'est seule télévision capotée pour prévision météorologique et c'est Kounia en alors comment ça est sous région. Nous gagnons trois ouragans cap baladés au niveau de l'océan Atlantique là. Ouragan Florence, Jean-Noël là, il pas concerné pays d'Haïti par rapport avec trajectoire. Nous allons la monter vers les États-Unis. Hélène aussi, un autre ouragan qui devait tout près de la côte d'Afrique, la monter vers le nord, pas concerné pays d'Haïti. Mais ouragan Isaac, tu as supposé Jean-Noël là, il y a 2000 km à l'est de Hague Antillais. Mais ouragan ça, si il y a une trajectoire, nous bien dit, si il y a une trajectoire ça, il t'a supposé commencer à influencer la région Caraïbes, disons Grandes Antilles, dès vendredi à samedi. Et en ce sens, si il y a une trajectoire ça, vers le sud du pays, tu as supposé concerner, disons, vers le sud de Grandes Antilles. Mais n'a prêté pour nous capables de confirmer pour au cours de ce moment est-ce que Isaac a atteint Grandes Antilles et n'a prêté informé. Mais pour l'instant, pays d'Haïti, en bas, Jean-Noël là, il y a un mazer qui est très humide et mazer ça, je dis à la provoquer quelques avestapi. Et Jean-Noël sous image satellite là, son temps qui est vraiment instable sous pays là, si toute région sud là, cela veut dire que je dis à n'a pas tenu avec quelques avestapi avec quelques coups de l'orage et si tout c'est toute région sud là qui a concerné par activité la pisario en fin d'après-midi, mais en soirée. Département l'Ouest, Artibonite et le centre aussi t'as supposé concerné par activité là. Même si le nord c'est quelques averses isolées pour aujourd'hui, mais je nous dis là, instabilité avec humidité, c'est ça qui a gouverné météo sous pays d'Haïti pour aujourd'hui. Pour capitale avec zone qui a vu, nous avons une capitale qui est très en bas instabilité. Et cela veut dire encore aujourd'hui, on a pas nous avec quelques averses, l'appli avec l'orage et averses sont capables de faire à modérer. Mais si tout, c'est toute quartier qui est supposé concerné par l'activité de la Pissarro pour jeudi à sous capitale avec zone qui a vu l'eau, surtout en fin d'après-midi et en soirée. Nous avons une température jeudi à cap monter jusqu'à 34 degrés Celsius, ça fait chaud, mais pour nous, la descente à 22 degrés, nous avons commencé à sentir la fraîcheur qui a venu sous pays par rapport avec la température qui commençait à descendre un peu, disons, pour température minimale. Pour la mer, nous avons une mer qui peut agiter sous toute côte nord, ni côte nord, ni golfe de la Gonavan, ni côte sud pays d'Haïti. La mer peut agiter, sauf que le capitaine, il faut prendre précaution. La pluie qui a tombé est capable de réduire la visibilité sous zone côtière pays et pour page astronomique. Sur la couche jeudi à 6h55 minutes et la levée de matin à 6h36 minutes. Merci pour fidélité avec attention. On va croiser demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée. Merci Wilner et bonne semaine. Sous initiative Association Latino-Américaine Médecine Sociale en Haïti, yon séminaire sous médecine sociale et santé internationale Sud-Sud organisé pendant week-end lan nan Port-au-Prince. Yon initiative qui rassemble différents personnalités et institutions cap évolué dans le système santé et puis l'autre secteur qui gen connexion avec le système nan. Nous invitons à suivre. Séminaire sa fait pour réfléchir et puis analyser ensemble éléments qui constituent question médecine sociale là en Haïti. L'État doit tout faciliter circulation d'informations sur système et politique sanitaire dans question santé internationale Sud-Sud et coopération Sud-Sud. D'après organisateur Lyo, pendant des journées, intervenants haïtiens ou étrangers a partagé connaissances et participants. Conférence, atelier échange avec Tabouan, formé mené séminaire national ça, selon coordonnateur à la messe Haïti, Jimmy Almoza. Séminaire, ça, c'est séminaire, nous fait juste pour étudiants en médecine, pour médecins, pour infirmières, pour tout professionnel de la santé et professionnel qui parle de santé, tout, surtout sociologues, psychologues, de façon que pour nous garder une meilleure couverture, pour comprendre que surtout nous-mêmes, dans le pays nous vivons, le pays d'Haïti, qui sont pays, côté que nous avons plus de problèmes au niveau médecine sociale, côté médecine, nous sommes obligés de faire un, pour tout le monde qui est droit là-dedans, c'est peut-être ça, nous obligés de faire débat ça ensemble avec tous les jeunes, tous les médecins, de façon que pour nous sensibiliser,
de façon que vous compreniez le droit à la santé, c'est un bagage universel que tout le monde doit, un droit à la santé. Sujet nous fait sur plusieurs domaines. Directement, nous parlons de médecine sociale qui est importante aussi, mais nous t'invitons de toi officiel, tout à coup de députés sénat, d'inviter l'autre sénateur Samarin, de façon que qui permettre, surtout dans la discussion, pour permettre que nous-mêmes, pour nous poser des questions, pour nous montrer que médecine sociale là, droit à la santé, droit universel à la santé, c'est un droit que tout le monde doit gagner. C'est pour deuxième fois, séminaire national médecine sociale et santé internationale l'a réalisé en Haïti. Une activité qui réunit experts en santé publique, étudiants en médecine et parlementaires. Activité ça, cap bout samedi 8 septembre, joint support médecins du monde et OPSOMS. L'autre nouvelle rapport sous commission spéciale sur la République là qui chargé pour vérifier dossier membre cabinet ministériel gouvernement Jean-Ricéan Paré d'après des membres commission en sénateur Dieudonné Lhumaitienne avec Jean-Renel Senatus. Commission a révélé gagné retard dans façon quelques membres gouvernement payer impôts. Dans sens ça commission a mandé direction générale impôts ba un rapport détaillé sous façon ministre sa yo payer impôts. Suivons extrait dans micro TNH. Nous prenons pièce que la Constitution exige nous demander, nous prenons, mais nous allons auprès de l'institution pour nous vérifier. Première étape de travail, c'était avec le Premier ministre nommé, et deuxième étape de travail, c'est avec le ministre et le secrétaire d'État qui sorti dans le dernier arrêté qui sont sortis là. Et c'est pour nous, et nous-mêmes, dossier nous là, nous faisons tout le travail nous, au niveau des archives nationales. Côté que nous allons vérifier, je nous dis, la véracité de l'information que nous avons à travers l'extrait d'archives, différents ministres et nommés. Ok? Et en même temps, hier, depuis aux alentours de 3h30 de l'après-midi, la commission avec assistance technique Sénat, eh bien, nous sommes allés dans la direction générale des impôts pour nous être capables de le faire. Et vérification. Et c'est comme ça, chaque ministre sorti avec une feuille de rapport de paiement d'impôts. Donc, nous constatons que c'est une légèreté, puisque nous connaissons un système, un système déclaratif. C'est dit, dit combien me fait, c'est dit, dit et ça me gagne. Hein? Et nous avons remarqué que presque tout ministre, presque, j'ai bien dit presque, a gagné ça aurait le certificat qui mentionnait, m'a parlé de certificat de déclaration définitive d'impôt, qui mentionnait crédit d'impôt. C'est comme si c'est des gens qui t'avaient toujours payé en plus de ça que vous devez payer l'État, qui voulait dire l'État doit. Et là, nous entrons en profondeur. Nous voyons que tu as une légèreté dans la déclaration. Et comme la loi admet ça, et mesure de redressement, nous souhaitons que vous soyez assez intelligent pour vous rassurer que vous allez faire redressement qui va permettre d'une part l'État capable de rentrer plus fonds et de l'autre, vous êtes capable crédibilité par rapport à public, par rapport à société, hein, par rapport à population hein, que vous prenez le service. Hein. Ma réponse dans nos commissions hein, à un pile monde qui a parlé sous la loi qui dit que le Sénat a été en mission que le pagain. Question pour analyser pièce ministre. Nous a fait travailler ça sous base article 172.1 Constitution qui dit pour être ministre, il faut. Il faut, ça veut dire, gagner de obligation que vous-même pour gagner. Lorsque vous avez nommé ministre en qualité d'exécutif pour faire une étude a priori. Mais nous-mêmes, qui avons recevoir ministre là dans le Sénat, nous devons faire une étude a posteriori pour nous voir est-ce que le ministre Sayo, pour nous, Mea, répond avec normes, sa constitution et la loi pays dit. Le problème, ça, c'est fini parce que nous avons travaillé dans un cas en bas, chapeau, constitution.
responsable MTPTC yo inauguré une nouvelle direction départementale ouest dans commune Taba vendredi 7 septembre nan. Nouveau local ça pral permettre MTPTC fournir population an, plus service. Jean slogan yo dit MTPTC c'est plus route d'après directeur de DOA Andy Jalui ak directeur général MTPTCA Max André Vilma. Suivons extrait. Nous vivons dans un pays sous-développé. Et comme vous le savez, en tant qu'élu éclairé, l'un des moyens de développement est la route. TPTC, nous disons souvent, route c'est nous. Vos soutiens dans le budget national peuvent nous aider à construire et à réaliser les 100 km de route demandés par notre président, son Excellence, M. Jovenel Moïse. Mesdames, Messieurs les maires, nos relations par rapport à nos interventions dans vos différentes communes jusqu'ici sont très cordiales. Et vos supports sur tous les points sont très bénéfiques. Nous voulons dorénavant moderniser nos interventions en incluant vos personnels de génie municipal dans nos différents travaux. Ce pour les permettre d'apprendre à gérer et à mieux entretenir les biens publics, chaussées, ouvrages hydrauliques, etc. Désormais, la DDO est au service de la collectivité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ensemble, nous pouvons vaincre toutes sortes de critiques quant à l'assainissement de notre département afin de rendre le MTPTC plus fort que jamais. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications est heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'inauguration du nouveau local de la direction départementale de l'Ouest. Le ministère reste persuadé que ce nouvel espace mis à la disposition de la DDO en améliorant grandement la qualité de l'environnement de travail, permettra à cette direction de se mettre encore plus au service du département de l'Ouest. Nous exhortons donc le directeur départemental, l'ingénieur Andy Jean-Louis, et tous ses collaborateurs à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien-être de la collectivité. Sous Bopal, magistrat, commune Tabani, Simon fait qu'on est, direction départementale ça, dans la commune, c'est une opportunité pour yo. L'IPRA permet de renforcer les relations avec les dirigeants MTPTC, d'après magistrat commune. Nous invitons à suivre un extrait. Relation que nous gagnons avec travaux publics, l'IPA nouvelle, principalement ensemble avec DDO, qui c'est ingénieur Andy, nous avons gagné de très bonnes relations bien avant que l'IT était situé dans notre commune, côté l'IT avant, dans la cité militaire. Et la relation, ça a continué. Et nous n'avons jamais gagné aucun problème. L'IT est toujours là, disponible. N'importe où que nous gagnons un problème au niveau de tabac, il toujours fait tout ça capable pour venir au secours de tabac. Là, lui-même, il est tout près de nous. Et encore mieux, relation que nous avons gagné, la vine deux fois en plus et nous capables plus, nous capables collaborer beaucoup plus. L'autre dossier dans le cadre d'activité pour marquer célébration 52e journée internationale alphabétisation 8 septembre, Bureau communication secrétaire d'État pour alphabétisation réalisé vendredi 7 septembre, une journée porte l'ouvrie. Dans l'occasion, un secrétaire d'État pour alphabétisation, Émile Brutus fait qu'on est, SEA a continué à sensibiliser tout le monde sur le problème monde qui pas qu'on lit et écrit. Dans ce sens, il plaide pour l'an créole là, tourner un véritable instrument communication et formation. Suivez précision Émile Brutus dans le micro Stéphanie Scholl et Hervé Pierre. Journée internationale d'alphabétisation, ça a un sens. Sens là, c'est pour sensibiliser, c'est pour conscientiser tout le monde dans tout pays sur un jeu d'alphabétisation. Ça veut dire, qui problème ça baille les gens qui ne lit, les gens qui ne écrit, mais qui avantage tout que ça baille, les tout le monde qui ne lit, les tout le monde qui ne écrit, les tout le monde formé, les tout le monde passe l'école. Et, année ça, UNESCO décrété journée ça, sous signe, un slogan, un thème, pardon, c'est alphabétisation et développement compétences. L'idée UNESCO, c'est comment l'offre fait alphabétisation pour le monde, pour tout aider à développer des compétences professionnelles.
son bagage qui extrêmement important par rapport à de gros de grandes questions qui posent aujourd'hui tant que la mondialisation. La mondialisation fait que gagne plus compétitivité. Ça veut dire que nous pas croire que mode artisan que nous là par exemple, c'est au même qui rentre dans quelle logique de compétition ou plutôt de compétitivité à en quel autre producteur qui a utilisé et qui a fait recherche, en quel autre producteur qui a et utilisé technologie et qui gagne yo, je dis qui devrait développer yo. Donc nous pas qu'à compétitif par rapport à mon ça. Donc faut que nous raisonner, faut que nous réfléchir pour nous qui meilleur choix nous capable faire pour que en alphabétisant nous capable tout créer conditions pour développer compétences professionnelles. Nous besoin à travers journée ça sensibiliser tout le monde sur genre de problème ça, les parlementaires, même les collègues du gouvernement, ministres, faut que nous poser question ça clair avec eux pour comprendre. Parce que bon travail de législation qui est fait, bon travail de mise en place de structures, de mécanismes qui permettent que l'intégration créole là est faite. Et ça, plus grave, on va l'expliquer nous avec question d'alphabétisation. Nous avons un problème qui vient dans l'alphabétisation, mais nous avons un système éducatif tout qui portait vini d'un masse monde que nous parlons les illettrés. Parce que système éducatif que nous avons, système formel là, il y a plus de monde que l'éjecté. Pour une raison, pour une autre, il y a abandon, il y a décrochage, pour une raison, il y a une autre. Et les gens, ils ne viennent pas continuer l'école encore. Donc tout ça, ils apprennent, ils oublient, et puis ils viennent trouver une situation, les gens qui ne parlent pas. C'est ça que fait. Combit Alpha, c'est notre stratégie ça, que nous gagnons pour faire l'alphabétisation. Hein? Et l'objectif, c'est d'arriver à éradiquer l'analphabétisme dans le pays. Hein? Sous bon pal, ministre éducation nationale à formation professionnelle, Pierre Josué Agenor Cadet, qui a participé dans l'activité, a précisé avancée considérable qui enregistré dans le cadre programme éducation pour tout le monde, qui permet plus passer 3000 timons sur 5000 déjà prend route l'école. Dans même objectif, ça, il renouvelé engagement ministère éducation nationale à formation professionnelle pour accompagner SEA dans la démarche la menée pour réduire la quantité de monde qui pas connu écrit dans le pays. Nous invitons à suivre. Je dis c'est avec un pile plaisir, un pile joie, un pile contentement, m'a participé dans un gros événement ça, qui c'est Journée internationale alphabétisation. Alphabétisation, 75 ans après, Jean, secrétaire d'État, sous dit là, pour nous arriver à mettre un bout à ça, c'est nous d'abord nous faire tout le monde à l'école. En éducation pour tout le monde. Et je dis à nous avons deux gros objectifs qui préoccupent nous. C'est comment pour tout le monde qui a l'âge pour l'école trouver en dans l'école. Mais on tient fort fait en sens ça parce que ça fait environ 10 ans dans le pays d'Haïti, tu as plus passé 500 000 timoun qui ont l'âge pour l'école qui partent dans l'école. Jodia, nous seulement à plus passer 300 000 et objectif là c'est éliminer net parce que chaque fois tout le monde à l'école bonnet, eh bien alphabétisation pour devant pas même capable un problème pour nous. Nous gagnons tout. Jodia dans le monde en 2018 dans le monde que nous vivons là, gagne plus passer environ 300 millions monde qui ont l'âge ou bien tout le monde qui ont l'âge pour l'école qui parle l'école. Mais nous dit pour nous arriver à résoudre tout bon vrai question alphabétisation, il faut de bien bonnet, nous prenons tout le monde qui a l'âge pour aller à l'école, pour aller à l'école. Nous mettons accent aujourd'hui en Haïti sous question formation adulte et surtout formation continue. Parce que je dis, nous rentrons à l'école là, nous tirons d'elle, j'entends m'entendre, c'est une éducation inclusive pour une nation solidaire. Ça veut dire, place tout le monde en dans l'école. Objectif là, c'est pour nous vivre un jour. Pour ne pas gagner aucun petit monde en âge pour aller à l'école qui va à l'école, aucun grand monde tout qui a prêté pour ne pas qu'on lit, pour ne pas qu'on écrit, pour ne pas qu'on compte. Secrétariat technique État généraux sectoriel nation a rencontré vendredi 7 septembre à plusieurs personnalités dans le secteur minier dans le pays.
Chita parlé ça te occasion pour directeur général bureau mine et énergie ingénieur Claude Prépetit partager avec équipe EGSN nan ensemble richesse qui existait en bas pays et puis qui travail BME a déjà réalisé pour permettre tout haïtien connait sa cap passer dans secteur ça. Nous invitons suivre. C'est toujours dans l'idée pour arriver si impact gouvernabilité à état généraux sectoriel nation en continuer rencontrer avec divers secteurs dans la vie nationale là pour parler sous problème toute qualité pays d'Haïti a fait face. Vendredi 17 septembre nan, té occasion pour secrétariat technique et GSN nan té rencontré avec plusieurs cadres dans secteur minier pour parler sous ensemble ressources minières Haïti gagnent et puis qui meilleure façon yo capable exploiter yo. La présentation bureau des mines été fait pour être capable sensibiliser membres comité pilotage et secrétariat technique d'organisation des états généraux sous grand enjeu développement secteur minier puisque c'est une ressource que nous gagnons, que nous capable servir comme levier pour capable impulser le développement économique pays. PIA n'est pas riche, je tout pour qu'on a dit là, c'est-à-dire qu'on sorte de fantasme par rapport à la richesse minière de ce pays et qui remonte probablement au temps de la colonisation, parce que, oublier que c'était un argument que Christophe Colomb a utilisé pour être capable de convaincre puissance espagnole pour être venu investir là, pour être capable de coloniser il là, mais en même temps, lui montre nous tout que nous, pagains peut-être, on pays de cocagne en termes de richesses minières, mais néanmoins, gain des richesses avérées. Il va nous donner des précisions sur leur localisation précise, notamment dans Santa Cruz, la province nord, hein, qui va de la presqu'île du nord-ouest et qui traverse le département du nord et qui va jusqu'en République dominicaine, et qui correspond en fait à Santa Cruz, province qui, au-delà de Haïti, correspond également à la province orientale de Cuba et à la Cordillère centrale en République dominicaine. Directeur général Bureau Mine et Energia, ingénieur Claude Prépetit, qui était présent à l'occasion Chita Palessa, a fait quelques explications sur le secteur minier. Pendant le fait qu'on ait Bureau Mine et Energia déjà réalisé un cadre potentiel sur la question mine et énergie dans le pays. D'après directeur, chaque haïtien supposé gagner avant longtemps 4 ça, yon façon pour permettre yon connait qui ça qui gagne comme richesse en bas pays d'Haïti. L'on parle de secteur minier en Haïti, son sujet qui divise les gens. Il y a des gens qui d'accord, il y a des gens qui pas d'accord. Mais monsieur est certain que l'on parle de secteur minier, moun yon pas compte exactement de qui ça qui a parlé. Parfois, il ajoute du plus là-dedans. Donc, occasion pour nous vous dire, c'était faire le point sur le potentiel minier qui existait à partir du travail que nous réalisons dans le bureau des mines et d'énergie. Côté que grand carte qui sortit, c'est carte du potentiel minier énergétique d'Haïti avec une notice explicative que nous pourrons distribuer par tout haïtien, que chaque haïtien te doit gagner, que chaque l'école te doit gagner pour qu'on ait exactement en bas de pays d'Haïti. Qui ça que nous gagnons. Maintenant, fin dit ça nous gagnons, fin dit tout, qui ça nous va le faire avec lui. Et je pense qu'il faut un consensus autour de question ça, pour nous connaître potentiel ça, quel que soit Jean Lier, ça nous doit faire avec lui. Qui est capable de servir à développement pays. Et sans un dialogue national de tout le monde autour de question ça, pour nous définir une politique qui a dit, maintenant, quelle direction que nous voulons aller. Une politique qui dit que l'environnement pays a soit exploité mine la dernière, mais qui protection que nous devons avoir l'environnement. Une politique sociale, revenu qui a généré de l'exploitation, qui gère la localité dans la zone, qui est capable de bénéficier de revenus sérieux pour faire développement local. Causerie sous question mine et énergie dans le pays d'Haïti, Pape Campela. Dans la date 9 novembre 2018, la EGSN nan, toujours en tête collée avec BME, a bien pour réaliser un forum sous question ça. Compagnie Natcom SA célébrer 7e anniversaire vendredi 7 septembre 2018 là. Responsable marketing compagnie Le Tourneau Lano présenté yon bilan réalisation yo pendant période ça, li promet compagnie ap travail pour améliorer qualité service y ap offri population. Nous invitons suivre un reportage.
Ça fait déjà 7 années depuis compagnie Natcom a bail population service dans le domaine télécommunication dans le pays d'Haïti. Avec 2,5 millions abonnés pour un pourcentage 54% sous marché internet là et puis 28% sous marché mobile là, responsable compagnie téléphonie mobile ça fait qu'on est à travail pour renforcer qualité service à offrir population. Chef marketing à communication Natcom Lan, le Tourneau Lano qui t'a présenté ensemble réalisation pendant ces temps ça, fait qu'on est Natcom pas travail pour satisfaire clientèle là seulement, mais au poté assistance surtout dans secteur éducatif là. Normalement, Natcom li bay service li, premièrement nous connaît dans mobile, par exemple téléphone, côté que nous vend SIM, nous vend téléphone, mais nous avons gardé tout. L'autre clientèle qui est important pour nous, c'est Internet. Là. Et pour garder, nous avons deux types d'Internet. Nous avons Internet qui est IP Lease Line, qui est Internet pour entreprise. Et nous avons Internet qui est FTTH, lui-même qui est dédié pour maison privée. C'est-à-dire, les gens qui arrivent à un bon Internet, Internet à haut débit, pour prendre Internet FTTH. Le profit que nous faisons, par exemple, depuis avant que nous avons commencé avec compagnon, nous avons gagné un processus pour être capable de travailler avec l'école. Parce qu'il y a une éducation à pile. Côté, nous gardons environ 1309 l'école publique qui ont bénéficié de notre côté de l'Internet gratuit. Responsable a expliqué plus loin, améliorer la qualité de service Internet, là, augmenter la bande passante en dans pays an, et puis répondre à besoin client clients, c'est quelque parmi les objectifs pour l'année qui vient. Après 7 ans, Natcom lui-même l'a toujours gagné et comme perspective pour être capable de travailler sur le réseau. Parce que nous connaissons, de jour en jour, le réseau a augmenté, le client a augmenté sur le réseau. Et ça nous fait, par exemple, nous commençons à travailler dans le réseau pour nous capables et bailler clients un plus bon service en antenne de signal. Et ensuite, Natcom qui en tant qu'une grosse compagnie dans affaires Internet, nous choisissons pour nous capables d'augmenter la bande passante pour les clients, non seulement pour les clients mobiles qui utilisent Internet, et ensuite pour les clients qui utilisent Internet et par fibre optique. Parce que nous connaissons les clients saliens, la grandit de jour en jour parce que chaque jour, on utilise Internet. Pour marquer 7e anniversaire compagnie Natcom Lan, responsable yo invité population vinn fêter avec yo dans un festival y a organisé sous San Maslan samedi 22 septembre 2018 là. N'a pris un coup de pause, rete branché, n'a tourné. Dans la page internationale, un individu armé avec un couteau blessé 7 personnes hier dimanche dans la ville Paris, pays la France. Paquet français a ouvri une enquête pour tentative homicide volontaire. Betty a présenté un reportage. Un individu en trentaine d'années qui a un couteau agressé plusieurs personnes hier dimanche 9 septembre dans la ville Paris. Individu à Messa qui a une nationalité afghane blessé environ 7 personnes, 4 parmi eux dans un état critique. Assaillant moun dans zone d'intérivé désarmé et puis maîtrisé, t'es hospitalisé en après à cause coup l'été recevra dans tête. Ministre intérieur français Gérard Colomb salue courage citoyen yo ak travail brigade anti-criminalité. Dans stade ça, incident pas présenté aucune caractéristique terroriste, paquet français a seulement ouvri une enquête pour tentative homicide volontaire. Pendant le dernier mois, ça y est, plusieurs attaques à exam blanche faites dans le pays la France, groupe État islamique l'a revendiqué, puis fort attaque ça y est. Dans sport, sélection haïtienne football là a affronté jeudi à dans stade Silvio Cato, équipe Saint Martin en cadre première journée Ligue des Nations contre Cacafla. À l'étranger, tennis US Open, haïtiano-japonaise Naomi Osaka remporté premier tournoi grand chelem li côté li bat samedi qui saute passé à américaine Serena Williams 6-2 6-4. Et bien voilà, amis téléspectateurs, journal arrivé dans Boutli. Nous te prenons pile plaisir pour informer. Restez sous TNH pour reste programmation. Bonne semaine. Bye bye tout le monde.